Je vous ferai une vraie satisfaction ce soir, première victoire de la saison à domicile en championnat. Et un état d'esprit, des occasions, des buts et un vrai plaisir. Ouais, c'est ça, je pense. C'est à l'image de ce qu'on fait depuis maintenant plusieurs matchs, plusieurs semaines. On n'avait pas été payé mardi à Bordeaux, on a été déçus. Mais là, ce soir, voilà, on a réussi à, voilà, à inverser la vapeur. On gagne deux fois en une semaine alors qu'on n'avait pas gagné depuis six mois. Donc forcément, on est content. Mais maintenant, il faut bien récupérer et puis se projeter sur Concarneau tout de suite. Oui, parce que la marche est encore, enfin l'horizon est encore loin, 9 points, mais la confiance est là, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Après, il faut savoir avancer. Voilà, 9 points, mais on va aller à Concarneau aussi pour faire une bonne performance et essayer de gagner. De toute façon, on sait que on joue maintenant régulièrement sans filet à cause de cette première partie de saison. Mais si on y met les valeurs, l'état d'esprit et voilà aussi la qualité, voilà, comme ce soir et comme depuis plusieurs matchs, on va être récompensé. Il y a une image forte, c'est au moment du troisième but inscrit par Anthony. Vous allez tous vers le banc, vous prenez tous ensemble avec le coach, avec le staff. Ça témoigne quoi, ça? Un esprit d'équipe. C'est un sport collectif. Il faut savoir fédérer, il faut savoir être ensemble. Et il n'y a pas de hasard. Cette image, elle nous ressemble aujourd'hui. On a voulu partager ce moment ensemble. Et c'est super important. Et les buts sont importants. Mais s'il y avait quelque chose à retenir de ce match-là, je retiendrais cette image. Une union, tous ensemble. Les rentrants, ils ont fait une bonne rentrée. Tout le monde a eu sa chance cette semaine. Et puis voilà, il faut continuer dans cette voie-là. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard quand on gagne et qu'il y a une union comme ça. On est forcément récompensé et on est content parce qu'on travaille pour être récompensé. Une union avec le public aussi, hein, qui met avant le match, on croit toujours en vous. Alors vous êtes dernier, vous avez... C'est ça. Je vais pas vous le cacher, ça nous a fait plaisir. C'est vrai qu'on a vécu des moments difficiles sur cette première partie de saison. Là, on essaye avec nos ingrédients de repartir de l'avant et puis de se sentir soutenir, de sentir qu'il y a du monde derrière nous. Ça nous donne envie de se dépasser et puis de mettre nos tripes sur le terrain comme on l'a fait ce soir. Merci beaucoup, Geoffrey. Merci.